Bonsoir. Bonsoir. Vous avez terminé le service? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots la situation, pourquoi on est ici? Pourquoi on est ici? C'est parce que ce matin, malheureusement, il y a eu un incendie important sur un site où étaient toutes ces familles, qu'il y a eu un mort, et que toute la journée, on essaie de trouver des solutions, y compris avec les représentants de l'État, pour essayer de voir comment ces familles pouvaient être hébergées. Que ce qu'on leur a proposé, c'était d'héberger les femmes et les enfants. Bien sûr, ces familles n'ont pas voulu être séparées dans toute la région Île-de-France. Et on souhaitait rester ensemble. Et le maire a décidé ce soir qu'on réquisitionne un gymnase qu'on met à disposition avec tout ce qu'il faut avoir. On a mis des pizzas, on met du lait pour les enfants, on amène des couches, on met des duvets. Pour que ces familles soient ce soir hébergées, je dirais, dignement par rapport à ce qu'ils ont vécu, y compris toute cette journée. Mmh. L'hébergement proposé par la mairie, par la préfecture, L'hébergement par la préfecture, c'était au travers de la Croix-Rouge, du SAMU social du Val-de-Marne, d'emmener simplement les couples, les familles avec l'enfant, mais dans des hôtels dispersés dans toute la région. Mmh. Et c'est vrai que pour ces familles, on peut comprendre que de se retrouver déjà aujourd'hui avec un incendie, un de leurs amis qui est décédé, et en plus être mis un peu partout dans le département, voire au-delà du département. C'est vrai que pour eux, dans des villes inconnues. Dans des villes inconnues, et y compris des familles, parce que beaucoup sont des familles. Alors, et là, on allait découper toutes les familles un peu partout, et ça, ils n'ont pas souhaité. On peut le comprendre, c'est pas facile pour eux non plus. Ouais. Et on s'engage, la ville s'est engagée en ouvrant ce gymnase. Quelle issue vous voyez, vous prévoyez plus demain, long terme? De demain, avec les autorités, parce que je continue de dire, comme je l'ai dit toute la journée, c'est une responsabilité nationale. Ce n'est pas la question du préfet, c'est une responsabilité nationale. Il y a un gouvernement dans ce pays, il faut qu'il prenne en charge, qu'il réfléchisse, qu'on soit autour d'une table pour réfléchir au devenir de ces familles. Ce n'est pas simplement en se relançant la balle les uns et les autres, c'est d'avoir un vrai projet pour ces familles. Voilà, je crois que c'est... Sans ça, on ne réglera pas cette question-là. C'est impossible. Et au niveau de la ville, j'ai l'impression qu'il y a une vraie mobilisation. Ce n'est pas qu'une impression, y compris des citoyens, des habitants de la ville d'Ivry. On est une ville, je pense, et son maire a apporté beaucoup dans ce cadre-là, où les habitants, il y a beaucoup de solidarité. Que ce soit aujourd'hui avec les familles roms et roumaines, mais que ce soit pendant quand il y a eu le tsunami... En Asie, en Pacifique. Enfin, je veux dire, à chaque fois, les Ivriens, autour des 150 associations qui sont présentées, tout de suite sont présents. Et là, on voit encore tout à l'heure, c'est les gens qui sont venus les accompagner, être avec eux, aider. Voilà. Le mot solidarité, à Ivry, il a un sens. C'est du concret. Je vois que c'est du concret. Je vous en remercie. Et j'espère qu'ensemble, on va aboutir à des solutions plus pérennes pour tout le monde. Autre chose, une dernière question sur l'incendie. Cet incendie, on apprend, il y a 3 jours, il y en a eu un autre à Orly, aujourd'hui ici à Ivry, et j'ai appris par téléphone, par des amis, qu'il y avait eu un autre incendie dans le département du 93, en Seine-Saint-Denis, dont je n'ai pas plus de détails. Ici, cet incendie, il est venu comment? Il y a des soupçons? Aujourd'hui, moi, encore à l'heure actuelle, à part ce qu'ont dit les médias, qu'il y aurait peut-être effectivement une suspicion d'incendiaire, de gens qui auraient... Bon, moi pour l'instant, j'attends de savoir demain ce que la police va nous donner comme élément. Mais quand même, je veux dire que j'espère que là, parce qu'on a... À Ivry, ça fait déjà quelques fois où il y a eu des petits problèmes avec des endroits où il y a ces familles qui habitent. Je pense qu'il faut que les enquêtes de police et la justice aillent jusqu'au bout sur ces questions-là. C'est très important pour tout le monde. Et là-dessus, on compte aussi sur la ville. Nous, en tant qu'association, évidemment, on va essayer de pousser à ce qu'il y ait une vraie enquête. Mais on peut compter aussi sur la ville pour aller dans ce sens. Je sais que le maire, on en parlait tout à l'heure, dit qu'il faut aller au bout sur ces enquêtes. Ça ne peut pas être simplement des gens qui se balancent. Non, il faut qu'il y ait des vraies enquêtes, comme toute enquête qu'on doit avoir auprès d'êtres humains qui sont sur un territoire. Voilà. Merci.